Martinique, en Guadeloupe, nous subissons cet empoisonnement. La Guyane se tient aussi. Oui, 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 oui. Le mercure, c'est ça? Yes. Oui, nous là. Ok, donc c'est un somme ensemble. Donc ce que je veux dire, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de solidarité. Alors nous, nous avons travaillé effectivement à la solidarité. Nous avons créé aussi également une antenne zéro chlordécone, zéro poison sur Paris, qui a déjà organisé plusieurs mobilisations, la Nation à la République. Et je vous invite à vous rapprocher de ce collectif, tout ça sur les réseaux sociaux, Facebook, vous allez trouver, hein, zéro chlordécone, zéro poison, vous allez trouver. Notre objectif, c'est aussi de fédérer toutes les forces. Donc nous sommes aussi rapprochés, nous sommes aussi avec les jeunes qui ont commencé à se battre depuis 2009 en bloquant les supermarchés, les béquets, okay, qui détiennent l'économie de l'île et qui nous empoisonnent. Ce sont eux aussi qui nous empoisonnent avec la complicité de l'État français. D'accord? Oui. Donc nous sommes aussi rapprochés de ces jeunes-là. Nous les soutenons aussi depuis 2009. Zéro poison, zéro chlordécone, zéro poison. Mais je vais lui demander. Zéro poison, zéro chlordécone. Zéro poison. Nous avons depuis cette année aussi, avec le collectif Martinique Libre que nous avons également fait. Justice pour Kézia. Ce que je veux vous dire, la solidarité, c'est ça, c'est de vous dire que nous ayons plusieurs casquettes. Moi, je suis dans tout ce collectif-là, justement, pour faire la cohésion, pour créer justement la solidarité entre Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion. Et donc, en fait, aujourd'hui, nous avons fait une mobilisation à l'aéroport avec Martinique Libre et d'autres militants en marche. Et ils ont kidnappé 4 de nos valeureux guerriers, 4 Lulu, Volcan, Valcine, ok? Et ils les ont emprisonnés à ce jour. Nos 4 militants sont à la prison de Dubos. Pourquoi? Parce qu'ils dénoncent les exactions de l'État français en Martinique et en Guadeloupe et partout. Ils dénoncent, ils se battent pour dénoncer ça. Ils se sont battus aussi contre JM, ils ont dénoncé JM, le Rome JM, d'accord? Ils faisaient l'apologie de crimes contre l'humanité sur leur bouteille, avec le drapeau en bas de servant. Et c'est pour ça qu'ils ont été emprisonnés. C'est pour ça que ce ne sont pas des voyous qui sont en prison. Volcan, c'est un militant de l'amour. Ok, il a été emprisonné, il a 16 mois. Il y en a qui pour 7 mois. Le 8, 10 mois, le 6, 9 mois. Ils sont en prison aujourd'hui, ces frères-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils dénoncent simplement. Ce ne sont pas des voyous, ce sont des pères et des mères de cité, des pères de famille qui travaillent. Ok, donc nous nous battons aussi pour ça d'ailleurs. Il y a sur la base du comité du 13 janvier 2020. Il y a du camion aussi qui circule, qui vont aider, soutenir leur famille. D'accord? Donc il faut vous rapprocher aussi. Il faut vous rapprocher, il faut suivre sur les réseaux aussi. Ce qui se passe sur ces pages-là. Il y a le Canvey, il y a le Canvey, il y a Madi, il y a un militant qu'on appelle Charlie Moussard, il y a Alicia Berthaud, que tout le monde connaît aussi. Ok? Et tous les jours, nous sommes sur le front, nous sommes sur les réseaux, nous sommes sur le terrain tout le temps. D'accord? Moi, quand je suis sorti d'ici, quand je suis sorti de la Martinique, j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain, je vais y retourner, je vais retourner sur le front aussi. Et je travaille, je puisse le dire, je suis professionnelle de santé, je travaille au CHUV. D'accord? Je suis une thérapeute, je ne suis pas vaccinée. Et je ne comprends pas leur objectif. Bravo! Nous nous battons aux côtés de l'intercession syndicale de la santé. Nous sommes avec eux, nous les soutenons et ils nous soutiennent aussi. Nous nous battons. Ils n'ont pas laissé les femmes, nous n'avons pas nous arrêter. J'ai rendu compte aujourd'hui. On nous dit que le gouvernement vaccinien, ils ont repoussé. Il faut compter un des femmes, un milliard de vaccins. Un milliard de vaccins. Après le temps qu'on a des femmes, à quel point on va manger? On ne va pas aller tout ça. On ne va pas laisser ça à manger. On va pas aller tout ça. Comment? Oui, je sais. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, concernant ça, concernant le CDR qui nous a envoyé, et concernant ce qui se passe actuellement sur le terrain, vous avez compris effectivement qu'il y a des barrages qui ont été mis
d'accord, par des jeunes qui sont des degrés, on va dire, d'accord, et qui prennent un petit peu beaucoup la terreur. Mais ça, alors, on veut faire croire que ce sont aussi les militants, les syndicats qui font ça. Non, simplement parce que l'État français qui a laissé, en envoyant justement tout ce qui a laissé en fait, et qui laisse, hein, qui ne font rien contre eux. Le combat qui est en train de se mouler là en ce moment, contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, pareil, ils veulent nous faire partir, ils veulent nous remplacer par d'autres soignants. Et là, pour l'instant, au niveau des soignants, ça arrivera dans tous les secteurs, il faut bien le savoir. Mais ce génocide est parti sur ce jour-là. Il est en cours depuis longtemps. On a la subtilité de tout ça. On a encore des plus hommes. D'accord ? Moi, j'ai grandi ici, j'ai connu aussi le plus jeune. D'accord ? Donc, si on fait au pays dans les 14 ans, Guadeloupe en lutte de solidarité. Alors aujourd'hui c'est un grand moment historique. On est ouvert pour beaucoup de gens qui viennent Paris. Mais ça peut arriver en Paris en mobilité. Pour dire non à tout ce qu'on fait en Guadeloupe et en Martinique, mais aussi à la Guyane et aussi à la Réunion. Qu'à jouer. Donc ensemble ici à Paris, nous avons soutenu dynamiquement à tout fort nos territoires, départements, les Outre-mer. Bravo! Et en tant que moi je suis membre de l'association Divine LGBT+, l'association Afro-Caribène LGBT de Paris. Et ici, on a mobilisé aussi à soutenir pour aujourd'hui la marche. Et c'est important que tout le monde s'entende pour être en solidarité à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion. Voilà, ensemble, on dit non à ce qui se passe actuellement en Guadeloupe. Donc bravo, bravo à nous. Et à très bientôt, parce qu'il y aura d'autres marches. Tenez-vous informés et ensemble, on va réussir, on va gagner. Voilà. Bonsoir tout le monde.
Libérez-nous, camarades. Bonjour, bonjour à tous, j'ai 23 ans. Je suis née ici, je souhaite retourner en Guadeloupe. Je souhaite apporter mes compétences dans le social. Oui. De catégorie B avec l'outil de catégorie A. Quand je demande au ministère de la protection de la Guadeloupe, des postes, des forces, d'aller faire un service civique pour apporter le monde. Alors ils proposent un service civique. Alors je suis de catégorie A, ils veulent pas que j'aille aider la jeunesse, dans mes compétences, pour aider les jeunes. Je suis responsable éducatif, je peux aider les jeunes guadeloupéens qui souffrent, cherchent du métier, cherchent du travail, c'est mes compétences, je vais aider dans leur démarche administrative, je vais aider à trouver du travail. Ils veulent pas, ils veulent la catégorie C, c'est pour qu'ils donnent la catégorie A et B pour les blancs, il faut le dire. Ouais, c'est vraiment un mépris, une insulte
l'intérieur de nous-mêmes et nos divisions, c'est strictement inacceptable. Et si l'espèce de fonctionnalisme, dans l'idée de la chose, vous est posée comme ça, je pense que nous avons quand même une histoire en Haïti. Je sais que si Haïti pouvait en participer à ce moment-là, c'est à la France. Il y a une histoire arrivée et il fallait payer 150 millions de francs, 2 millions de francs, or, simplement parce qu'Haïti est une liberté à Haïti. C'est dommagé, c'est barbare de l'humanisme là. Donc, pour nous, Haïti, son pays, ne pas respecter pour l'histoire Haïti. Pourquoi l'histoire? Non, pour nous, c'est voilà, son modèle pour nous, la libération de l'Afrique et de l'humanité. Donc, vous voyez, on va parler des choses comme ça, vous voyez, on a dit déjà, à quoi on a un grand milieu de l'histoire. Et d'ailleurs, pas dit que l'humanité est pas ici, moi, ça ne s'est pas passé. Parce qu'il y a des pays dans la Caraïbe, des petits pays, des petits pays, il n'y a pas comme ça, et dernièrement, on a oublié quand les Corses Regardez, dans quelques jours, la Barbade devient indépendante, réellement, pour le coup. Elisabeth
peut être détrôné, alors que la Barbade des API qui est juste à côté de la Martinique. Si la Barbade peut le faire, alors elle peut le faire. Quant au colonialisme français, regardez ce qui se passe sur le continent africain. Regardez ce qui se passe au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Continuez ça, contre l'impérialisme français qui n'est pas seulement localisé aux Antilles. C'est partout. C'est la canette qui est aussi. Il faut le savoir, il faut l'avoir en tête. Donc autant que nous devons avoir une lecture géopolitique qui soit réellement intelligente. Exactement. Sur le terrain, en Russie, en France, oui, mais également aux Antilles et sur le continent africain. Je vous remercie. Comme les musiciens rassemblés pour nous faire un son. Comme les musiciens rassemblés pour nous faire un son. Il est là, il est là, il est là. Une pigée des jaunes, ouais. Voilà. Paris, 22 juin 2021. Je sais pas, c'est des trucs que j'ai récupéré dans les... Ah, oh, d'accord. Bah, tu sais, moi, je fais toutes les manifs. Toi, c'est princesse, d'accord. Voilà. D'accord, il faut vraiment qu'on s'organise. Ça a pété un peu, on a plus encore un peu de gaz. Et les richesses entre nous, arrêtez de. On a fait des gaz. Il y a un commerce, on dit pas. On ne va pas dire oui, voilà. Après, le Libanais, fragile au fait, non, on y va. Et si c'est pas bon, voilà, il y a ça avec ça, on s'en de la mort. On continue comme ça, ça commence comme ça. Un lobby, comme ça, alors la dame elle a dit que vous retournez aussi en Guadeloupe, aux Antilles, en Martinique. Je vous invite à la voir pour vous aider à revenir. Le fait que ça vous porte un terrain, s'organiser, organiser des marchés, et puis avoir aux gens de la diaspora. Et de l'Afrique aussi, pour faire marche, avec l'Afrique partout, pour tout, c'est très important, n'oubliez pas ça, comme je le fais encore une dernière fois, il faut se battre, il faut travailler dans leurs institutions. Si un jour on décide de tous faire grève le même jour, comment ils vont faire? Si avec tous les institutions, le même jour, comment ils vont faire? La France coule sans nous, ne l'oubliez pas, c'est nous qui avons les richesses, nous qui avons les richesses. Personne ne sort de plus par rapport à notre place. C'est nous qui sommes les gens, on travaille le matin. On est dans plein de domaines. On a le lien dans sa propre vie, bloqué, en sachant, enterré. Ah bon, assis sur les jaunes, ouais, avec Fabienne. J'ai entendu, tu connais Norma, là, de Vécu, avec Jules, il est par là, tu connais pas. Bah, des mecs qui... Ah, j'ai entendu en direct, c'est pour ça que j'ai fait. Donc, il faut pas éviter une heure et Yeah.
vers Saint-Michel. Là. Ah oui, là, ça va. C'est pareil, à la fois, c'est plus pareil. Il y a quoi, il y a 15 ans, je suis resté moins une demi-heure dans les dans un truc de poisson. Arrive un moment, ça dégage de la survie. Ah, c'est la survie. Ah ouais, ouais, ah oui. Voilà. Bon, je suis resté, moi j'ai fait un peu, mais j'ai mangé à la manif. Carrément un tronc d'arbre et il le vide. Tiens, fais de la musique un peu, je te prends. On veut se réchauffer, on a froid. C'est mieux qu'une baguette, ça, avec le bois. Allez, ça c'est principe gilet jaune. Et là, on essaie de se réchauffer en action. T'inquiète pas, je vais pas te remarquer. C'est parce qu'on a froid. Nous aussi dans les gilets jaunes, on a plein de tambours. Ah, t'as les gilets jaunes? Ouais, on est gilets jaunes depuis plus de 3 ans. Ah, mais on sait pas parce que les gilets jaunes, j'ai bien déjà dit que c'est gilets jaunes, mais ce sont pas gilets jaunes. Moi je l'ai dit. Il y a des gens qui disent gilets jaunes, mais ils sont pas gilets jaunes. Et nous on fait très attention à ça parce qu'il y a des gens qui disent ça. Ah, c'est pas bon. Voilà. Mais là, c'est une cause. Ah, c'est une cause. Le truc de vaccin, là, ils m'ont dit. Voilà. Vaccin. Moi, grosse foutaise. En plus de ça, nous aux Antilles, nous, moi je suis de la Guadeloupe. Il y a la chlordécone. La maladie. Le produit chimique dans les bananes, là. Ouais. 2009, ouais. Et tout ça, ça simplifie. Et la chlordécone et le vaccin, ça se marie pas ensemble. Ouais. Ça tue les gens. C'est pour ça les Antillais, nous on ne veut pas le prendre. C'est à cause de ça, c'est vrai. C'est pas ce que t'en penses, mais pour moi, il y a eu la première guerre, deuxième guerre, troisième guerre, c'est commencé en 2020, la 5. Ils veulent faire, ils ont des trous sur la planète. Mais c'est une guerre. C'est ce que je pense, hein. Après. Mais c'est une guerre qui est là. C'est une guerre. Tu penses pareil aussi, non? L'État. Ah, t'as pas compris, moi, c'est pas grave. Non, j'ai pas entendu. L'État dit des trucs, mais ça, pour moi, c'est une guerre. Hein. Oui, c'est une guerre. Pourquoi je le dis? C'est une guerre mondiale. Une guerre. Parce que c'est pas ni les bombes, ni les fusils, ni.